soir, j'ai une belle surprise. Je vous ai amené ma belle-maman, Mme Georgette Lambert, qui revient de voyage. Alors, nous allons lui poser des questions sur le voyage qu'elle a fait. Mme Lambert, bonsoir. Bonsoir, Lily. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Alors, vous êtes allée dans quel pays avec monsieur? Vous êtes allée avec monsieur Lambert, bien oui. Évidemment. Je vais vous laisser le soin de nous dire. On est allée en Bolivie. Ah, et puis, la Bolivie, c'est à combien d'heures de vol? Bien, disons, si on enlève toutes les escales qu'on a à faire, c'est environ 12 heures. Ah, mon Dieu, c'est assez un gros voyage. Franchement, oui. Vous avez dû arrêter souvent puis oui. Repartir souvent. Hein? En tout, là, aller-retour, on a fait 11 décollages. Ben, on a eu le baptême de l'air comme il faut. C'était la première fois que vous faisiez de l'avion? Oui, toutes les deux qu'on allait en avion, oui. Ah, mon Dieu, c'est tout un baptême de l'air. Oui, oui. Mais ça a bien été, ça a bien été. On a beaucoup aimé l'expérience de l'avion. Oui, on va être prêt à recommencer. Bon, ça, c'est faut pas avoir peur de l'avion quand on fait un voyage comme ça, parce que franchement... Mais vous allez me dire, là, pourquoi vous avez choisi la Bolivie? Ah, bien, on avait un intérêt en Bolivie parce que notre fille Hélène est là avec son mari puis leurs deux filles depuis l'année passée. Ah, oui. Bon. Et puis, mais pourquoi, là? Pourquoi, là? Ils sont là, pourquoi? Quelles sont les motivaions qui les ont poussés à aller en Bolivie? Mon mari Hélène Hervé était déjà allé en Bolivie il y a une dizaine d'années, passé deux ans. Et puis... Ils aimèrent vivre l'expérience, puis faire connaître ça à Hélène, puis aux filles aussi. Ça fait que, ils sont allés avec, c'est des coopérants que ça s'appelle, avec un organisme de Montréal, l'Organisation de solidarité catholique et de développement. Eux autres, les laïcs qui veulent aller en mission, ils leur donnent, c'est non gouvernemental, mais ça leur aide un peu à payer leurs dépenses là-bas, puis à donner un petit salaire par mois. Ah oui, parce que j'imagine que ça doit prendre beaucoup d'argent, puis toutes sortes de Oui, mais ils ont un loyer payé, puis ça fait que ça, non, ça va. Il n'y a pas gros de dépenses là-bas. D'abord, ils n'ont pas tellement de sorties à faire, des grandes sorties. Mais j'imagine, ouais, hein. Ça, oui. Et puis, les gens là qui vont là, ben disons, Hélène et Hervé sont là pour combien de temps à peu près? Bien, c'est un contrat de 2 ans, ça fait déjà un peu plus d'un an qu'ils sont là. Et puis, ils vont revenir au mois d'août. En 1993, ils vont revenir. Leur contrat va être presque fini. Mm-hmm. Et puis, ils vont revenir s'établir ici au Québec. Parce que Hervé veut continuer à étudier. Alors, puis les filles vont se trouver à revenir à l'école ici au Québec. Ah, ça va faire drôle, hein? L'école en Bolivie et l'école au Québec. Oui. Ça doit faire vraiment changement. Ça doit pas être pareil, hein? Non, c'est pas pareil. Là-bas, ben, ils ont étudié la langue espagnole, puis ils vont à l'école espagnole. Il y a des choses là-bas qui sont plus avancées qu'ici, mais par contre, il y en a d'autres qui sont moins avancées. Ah bon? Cette année, ils vont aller à une école française, genre comme au lycée en France, là, puis ils vont apprendre ça va être en français, puis Hélène et Hervé disaient à la maison, on va parler en espagnol, pour que les filles gardent leur puissent espagnol. Garder leur oui. Espagnol, oui. Je comprends. Et puis, pour parler de la Bolivie comme telle, j'aimerais savoir quelle sorte de pays c'est la Bolivie. Est-ce que c'est un pays qui est riche ou un pays qui est pauvre? Disons qu'on va avoir des diapositives, on va avoir une cassette, oui. On va pouvoir voir des images. Ça fait que vous allez pouvoir nous commenter. Est-ce que c'est des gens riches, ça? Il y a des gens, c'est comme dans d'autres pays, il y a des gens, des coins très riches, mais aussi des coins très pauvres. Ah bon? Et puis, vous allez voir sur la vidéo qu'on va passer, on a été dans une partie qui c'était des gens très riches. Attends, regardez, on voit quelque chose, là. Ça, c'est un tour de ville qu'on commence à faire avec Hélène Hervé, les enfants. Ah, ben oui! On va voir des coins qui sont plus pauvres que d'autres places. On va aller surtout visiter, là, en allant à la vallée de la Lune, qu'on est allé. Mm-hmm. Visiter un coin qui était très beau coin. Ah, et puis, où est-ce qu'on est, là, présentement, là, dans le... Là, vous êtes au départ, vous partez, Si on a une vue un peu d'ensemble, c'est très haut, là, où qu'on est. On va voir une... Ah, on oui! On va voir la Paz qui est dans... La Paz, c'est comme dans une vallée, ils appellent ça le trou de la Paz. Puis c'est très montagneux. Comme vous voyez, il y a des maisons dans les montagnes. Il n'y a pas d'espace de terrain libre. Oh non, hein, ça a l'air serré. Hein? Il n'y a pas de gazon. Voyez-vous comme les fils électriques, là, on voit comme de la moisissure sur les fils, ça fait longtemps qu'ils sont là. Oui, hein, oui. C'est pas. Les gars de l'hydro ne sont pas allés dernièrement. Et puis, comme vous me parlez de la... Ici, là, vous c'est le, l'hôtel de ville. Ah oui. Oui! C'est très beau. Ça, on est dans... Au début, on était, je pense, dans le centre de la Bolivie. Mm-hmm. C'est
Tiens, regarde, voyez-vous, on tombe d'un extrême à l'autre. Oui, oui. En visitant les... Et puis, disons, ça, c'est La Paz, hein? Ça, c'est la ville qu'on voit, c'est La Paz. La capitale de la Bolivie, oui. Et puis, ça, est-ce que c'est haut? Il paraît que c'est très haut, là. C'est la une Paz. Altitude qui est très, oui. Très... C'est à 12 500 pieds d'altitude. Oui. Alors, quand on voit La Paz, on a des petits problèmes de respiration. Oui, est-ce que vous avez eu ça? Oui, un peu. On a pris des pilules pour le mal de l'altitude, comme on prend des pilules pour le mal de mer. Ah, oui! Alors, on a pris des pilules, il faut la prendre sur 1 ou 8 heures, et puis avec ça, bien, ça a bien été. Et puis, est-ce qu'il y a des endroits où ce que vous pouvez aller, où c'est moins pire? Ici, là, quand on s'en va, tantôt on s'en va vers le sud de La Paz, mm-hmm. Là, l'altitude est moins haute, et puis il y a plus d'oxygène. Ce qui fait que pour la respiration, on a de la misère, parce que c'est tellement en très haute altitude que c'est l'oxygène. Mais c'est un climat très sec. Ah, même s'il fait chaud, là, on ne transpire pas. Il n'y a pas de... Non. Puis là, dans le jour, il fait très chaud à La Paz ou en Bolivie. C'est très chaud, mais quand le soir, le soleil baisse, c'est froid. Ah, ça devient froid. C'est froid. Il faut toujours avoir un gilet pour parce que c'est venteux. Ah, Vous, si on descend vers le sud, là, puis c'est... Oui. Vous allez voir, on va voir des belles maisons. C'est des maisons... Là, vous allez, vous en allez vers un quartier plus riche. Oui, là. Voyez-vous les belles fleurs qu'on a ici, là? C'est, oui, c'est oui. Très beau. Là, ça a l'air très riche. Oui, là. Ah, oui, c'est riche. Ah, oui, vraiment, c'est beau, hein? Ça doit être des hommes d'affaires. Bien, j'imagine, hein? Oui, sûrement. Mais on voit toujours les montagnes. Regardez, ici, les montagnes, là, c'est rouge, c'est foncé. C'est rouge, hein? C'est tout oui, rouge, oui, ouais. Oui, oui, oui. Ça, c'est les chars de police. Les chars de police sont verts en Bolivie. Vous voyez les toits, c'est comme de la tuile. Oui. C'est pour aider à faire moins chaud dans les maisons. Avec ça, la tuile est faite un peu, non? Ah oui. Puis ici, regardez les beaux palmiers qu'il y a. Là. Ça, c'est un très beau quartier. On est encore dans un quartier oui, riche, c'est oui. Ça. Ouais, ouais. Là, on est en direction vers la vallée de la Lune. Ah, ça a l'air très, très beau comme nom, hein, la vallée de la Lune. Oui. Bon, on ne pouvait pas aller partout, donc on aimait aller à des places que eux qui nous indiquaient, parce que c'était des belles places à visiter. Ah, c'est ça, hein, j'imagine qu'ils vous ont fait visiter les plus belles places et puis ce qu'eux autres ont visité au début. Exactement. Regardez-moi ça comme c'est rouge. Oui. Puis que les montagnes sont toujours présentes, toujours, toujours. Oui. Ouais. C'est montagneux. C'est très montagneux. Mm-hmm. Puis ben, ici, il y a un petit ruisseau qui passe. L'eau est claire ici. Elle n'est pas toujours claire non, partout, hein? Elle n'est pas toujours claire, parce qu'il y a des places qu'on verra plus tard. Là. C'est moins clair. Les gens viennent faire leur lavage. Mais regardez, là. Ils descendent laver leur linge. Et parce qu'il y a des, quand même des coins où c'est primitif, oui, c'est sûr, oui, hein? Oui. On va voir. Regardez ici, le chemin passe... Dans la roche? Il y a deux, oui, il y a deux tunnels comme ça, dans la roche. Ah, mon Dieu! Ça a dû en prendre pas mal, hein? Voyez-vous comment ah, c'est beau! On ne peut pas dire c'est manger, je ne peux pas dire quoi, là, mais c'est l'érosion. Donc, ah, l'érosion, oui. On est rendu à la vallée de la Lune. Bon, on va voir pourquoi ouais. Ça s'appelle la vallée ouais. De la Lune. Là, c'est Hélène. Ah, voyez-vous. Je vais prendre une photo de Philippe et moi. Bon, ceux qui ne connaissent pas Hélène, là. Le mari d'Hélène, Hervé, il filme. On a eu de la chance, puis il a pu nous a fait 2 cassettes. Avec notre voyage, on peut le revivre à tout instant avec la famille. Et je commence à comprendre, moi, pourquoi ça s'appelle la vallée de la Lune. Regardez, c'est ça commence à avoir l'air comme des cratères, comme oui. Des piquants, comme oui. Des... Des trous aussi. Des crevasses, ouais. Oui. C'est l'érosion qui s'est faite avec les années. Regarde-moi ça, c'est ouais. Beau. Anne-Marie et Nathalie, on va les voir tantôt sûrement. Eux autres, ils sautaient d'une place à l'autre. Ils se promènent là-dedans, eux autres. Ils n'ont pas peur. Ah, mais c'est super beau, paysage, hein? C'est un paysage magnifique. Oui, c'est vraiment beau. Tiens, on voit les petites. Tiens, ouais. Monsieur Philippe. Ah, M. Lambert, il a dit la vallée de la Lune. Il prend possession des lieux. Oui. Non, mais c'est tout un voyage, hein? C'est très loin, franchement, c'est là. C'est vous n'êtes pas allé à Porte, là? Non, mais peut-être, probablement que si Hélène n'avait pas été là, puis après, on ne serait pas allé. C'est pas ce pays-là que vous auriez non. Choisi, hein? Mais là, vous avez vraiment là, du bagage. On là. A l'impression d'être un peu comme dans le Grand Canyon, là. C'est des oui? Choses. Oui, oui. Ah, c'est beau.
Il n'y a pas de végétation. Tiens, ça, c'est Anne-Marie et Nathalie qui portent la casquette que tu leur as donnée. Ben oui, petite cassette TV métal. Je ne sais pas si c'est de la balma, là. Ça, je ne sais pas comment. Là, j'ai vraiment essayé de trouver comment s'appelait cette. Un accident naturel, je ne sais pas comment dire ça. Voilà un papillon noir bolivien sur une fleur bolivienne. Il ne restera pas longtemps. On s'en vient près d'un parc. Voyez-vous, les deux gros arbres, ça, c'est des eucalyptus. Vous savez, c'est une sorte de qu'on a ça dans les parcelles, pour le rhume, c'est des eucalyptus. L'eucalyptus, ben oui. Ouais. Ah, on a une vue de la Paz. Dans ce parc-là, là, on voit une vue de la Paz, qui est dans, comme je vous ai dit tantôt, qui est dans un trou. Ah oui, c'est vraiment là, c'est dans vous un trou. Vous voyez qu'il n'y a pas grande végétation là? Non. Puis c'est pas bon, vert beaucoup. C'est notre taxi. Là, on vient chez, on est chez en face de chez Hélène. On débarque, les autres, ils restent dans un quartier moyen. C'est moyen, hein, oui. C'est bien. Puis à l'entour de chaque maison, il y a des murs pour se protéger des voleurs. Ça, c'est pareil. Ah oui? Oui? Ah, c'est pour les voleurs, tous c'est ces murs-là? C'est pour les voleurs. Et puis, en or. Ça, c'est dans le centre-ville aussi. Le Sindra, qui appelle. C'est Bolivar, celui qui a fondé Simon la Bolivar, page, oui. Là, c'est Bolivar. Ah, il a brossé ça, pas mal. C'est dans le centre-ville, voyez-vous. C'est très beau. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est qui m'a dit ça s'appelle le Sindra. Le Sindra, bien, c'est ça. Centre en ouais. Je ne sais pas si c'est en Bolivie. C'est la Maine. La Maine. Ah, c'est très beau. Les annonces de liqueur sont là. C'est pas une espèce de... De condo, ça? Ouais, des maisons en bureau. C'est pareil comme nous autres, hein, oui. En réalité. Oui, c'est plus fourni, par exemple. C'est plus près les uns des autres. C'est tassé. Tassé. Ici, c'est des gens. Il y a des pauvres partout qui sont là pour mendier. Même dans les endroits riches, là, oui. Il y en a des pauvres. Ben, voyez-vous, ils sont allés sculpter des statues. Il y a toujours un beau ciel bleu. Oui, hein? Oui. La température, là, qu'est-ce que c'était, là, quand vous étiez là? Là, ils sont au printemps, là. Ah oui, c'est le printemps, chanceux. Oui, puis Hervé nous disait, vous êtes chanceux, parce que l'année passée, quand on est arrivé ici, c'était pas bon. Voyez-vous, on vient une bolivienne ici, puis voilà, elle les autos. L'autre, elle a son bébé sur le dos. On les voit toujours avec le bébé sur le dos. Ici, un monsieur qui fait pas serrer les chaussures. Ça, c'est un monsieur d'un certain âge, mais il y a beaucoup d'enfants aussi qui font ce travail-là. Ah ben oui, hein, les enfants, oui. Là, c'est ça, j'avais une question. Il y avait un pauvre qui est en train de manger, là, je sais pas quoi, mais il y a sa tuque. Même si ils ont toujours une tuque. Ouais, il y en a qui s'est endormi. Ouais. Bien oui, puis pour en revenir à la question des enfants, l'éducation des enfants, ça, vous avez parlé d'enfants, ça m'a fait penser. Est-ce qu'ils vont à l'école le même temps que nous autres? L'éducation, comment ça fonctionne le système? Ça dépend, les enfants, quand c'est des gens pauvres et puis des madames qui sont seules, les enfants vont jeunes sur la rue vendre les journaux. Ah, OK. Ils vont vendre les journaux, ils vont tirer les chaussures, ils ont toutes sortes de choses à vendre pour gagner des sous, pour aider à la famille à vivre. Ici, là, c'est un rassemblement qu'il y a. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a eu, là. Bien, les choses. Là, ça a l'air d'être fini, puis ça retourne là, chacun chez eux. Et vous, le bébé sur le dos de madame. Eh hey, oui! Ça, c'est une église ici, je crois, parce qu'il y a des cloches. Mais c'est très beau, l'architecture. Ah, c'est l'église San Francisco ici. Ah. C'est sûr, là, mais je sais qu'on est allé dans cette église-là à un moment donné. Hey, c'est très beau. Regardez-moi la sculpture qu'il y a après les poutres, là. C'est très beau. Puis tout a une tendance à être rouge, tout le temps rouge. Oui, c'est toujours... Oui. Ici, c'est un autre... C'est dans la même partie, là, qu'on... Les rues, là-bas, les rues, ça, c'est... Le fait que c'est dans en haute altitude, c'est des côtes puis des côtes. Oui. Quand on allait... Là, je pense qu'on s'en va vers l'artisanat. Oui. Tiens, voyez-vous, là, en Bolivie, ça, c'est courant de voir des madames. C'est toujours les femmes qu'on voit là-bas. Ah oui? Les hommes, je ne sais pas où ils sont. On a Sœur Sourire, tiens. Et puis c'est des madames qui vendent de quoi? Ils sont sur la rue à vendre des choses. Ça, c'est dans une boutique d'artisanat. Là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Quelle sorte d'artisanat ils ont? Oui. Vous êtes en train de magasiner, on là. On voulait amener des souvenirs à chacun. Alors, ben oui. Dans les boutiques. On a l'embarras du choix parce qu'il y en a. Ah, il y a vraiment de quoi être beau, hein? Oui. J'aimerais ça vous montrer parce qu'il y a des belles couleurs vives. Des chapeaux de boliviennes. Des belles choses que les Boliviens font. Ils sont très habiles. Oui. Et poncho. Ils font beaucoup de choses avec de la laine d'alpaca aussi. Puis de lama, c'est-tu la même chose? Oui, je pense que c'est ça doit se ressembler.
Ah oui, les murales. On a vu dans des boutiques, les madames étaient en train de tisser. Ils faisaient des murales. Il y a vraiment de quoi, ça. C'est Nathalie Anne-Marie. On est en train d'acheter des souvenirs pour les gens de Miami. On est allé en Miami en première. Ah oui. Des souvenirs. Ben, ça, c'est la sculpture. La sculpture sur bois, oui. Ouais, c'est très beau. Oui. Il y en a des sculpteurs. C'est pas cher, mais. Ah, c'est pas cher? C'est pas cher. Non, ils vendent pas ça cher. Vous avez. Est-ce qu'il y a des articles qu'on pourrait comparer? Vous avez acheté un manteau à un moment donné qui a coûté pas trop cher et qui est superbe. Oui, puis en réalité, en argent canadien, il coûtait 45 pièces. Donc, c'était pas cher. C'est pas cher. Qui est ici, là. C'est un gilet qui n'a pas coûté cher non plus. Mm-hmm. Il y a une cravate, un foulard. Oui, vous avez ramené des objets. Ici, là, c'est des focus, excusez-moi. Ah, on l'a manqué, mais ça fait rien dire, c'est pareil. De la mort? De la mort? Pour eux autres, ça porte chance. Ça. C'est séché, ça? C'est séché. Ça, c'est nos papes de lapin. Eux autres, c'est des fœtus de la mort. Oui. Ah, ben. Ici, c'est encore de nos boutiques. Des peintures, des murales. Ah, et c'est beau. Il y a de la couleur. Il y a beaucoup de couleurs. Oui, c'est des gens qui. Oui. La façon de s'habiller aussi, on voit les madames, ils ont des chapeaux, toutes sortes de couleurs. C'est un mural qu'on voulait acheter. Quelqu'un nous avait donné une commission d'acheter le mural. Mm-hmm. Donc, on magasinait, on regardait ça. Puis vous pouvez marchander, hein? Vous avez la chance de marchander. Oui. Ça, c'est, parce que ça, c'est des boliviennes. Ça, c'est Hélène, en train de regarder avec Nathalie, prendre la décision. De barguiner. Oui. On barguine. Oui. Il y a des beaux sacs. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est coloré, hein? Oui, c'est coloré. Comme je te dis, on avait seulement la bande. Ah, tiens, ben là, on va ça, voir Hervé, là. Avec, le gangster. Ah non, ça c'est Hervé, là, le mari d'Hélène. Non, ensuite, on va voir là, Philippe, qui va en essayer une aussi. Mais il ne l'a pas acheté parce que ces chapeaux-là, ça ne paraît pas, mais ça se place pas dans la valise. Et c'est vrai qu'il faut penser à ce qu'on achète, oui, parce hein? Que c'est très dur, là, leur. La texture? Oui, oui. Ah, ça, regardez les beaux petits cadres, hein? On a acheté pour donner à chacun. Mm-hmm. C'est fait en quoi, ça? En métal? Oui, c'est en étain. En étain, puis ici, je pense que ça doit être en. Ça doit c'est être plus en. Léger un, plus léger que l'autre. On est en train de prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on prend? Ah, là, on a un quêteux. Un quêteux à la porte qui veut. Il vient voir ce qui se passe. Veut, oui, il y a beaucoup de mendiants. Ah, oui, ah, oui. Il y en a plus que nous autres. Tiens. Je faisais très bien. Quand il s'est regardé, il dit « Je ressemble à J.R. et Wing. » Ah oui, c'est vrai, oui. Ça ne rentrait pas dans la valise, puis passer le reste des vacances avec le chapeau sur la tête, ça n'avait pas d'allure. Regardez la table ici, comme elle a du beau travail à faire. Mm-hmm. Il y a encore. Tiens, les filles. Ça, c'est un tatou, ça. Oui, ça, c'est une petite bébite, là. Ils font des guitares avec ça. Ouais, ça, c'est vraiment beau, hein? Faire une guitare avec une bébite. Le garçon à Lydie, là, Daniel, il avait demandé le prix. Ah oui, il aurait aimé ça, il joue de la guitare, lui. On trouvait que ça faisait trop quelque chose de bon pour nous. Oh, de toute façon, lui, il a essayé de mettre une plug avec un amplificateur. Ah. Là, ici, on s'en va vers le lac Titicaca. Ça, on ne peut pas dire pourquoi ça s'appelle comme ça. On ne le sait pas. Mais c'est un lac qui a. Tiens, regarde, les gars, c'est beau, comment ils sont habillés. Hein? Là, ils viennent nous offrir ici. C'est un. La nourriture. Chose de payage, là, il fallait payer, et puis ils viennent nous trouver. Ah, regardez oui. Les maisons ici, en s'en allant vers la campagne. Mm-hmm. Les maisons faites en. En quoi c'est en terre? En terre. Ça a l'air d'être de la terre. Des pierres, ben oui, dans la terre. Puis il y a du chaume dessus, comme dans les pays. Regardez les animaux comme ils ont l'air, il n'y a pas grand-chose à manger.
Ouais. C'est encore les femmes qu'on voit dans les champs avec les moutons. On ne sait pas où ils mettent les hommes. On ne sait pas où ils sont. Les hommes sont vont travailler dans les campos, qu'ils appellent. Ah! Ouais, là, c'est des gens qui sont pauvres, hein? Ils sont oui, pas mal c'est pauvres, des hein? Gens qui sont pauvres. Oui. Et vous, la madame, là, gardez le mont. Illimani? C'est-tu le mont Illimani, ça? Il y a 21 000 pieds d'altitude. Regardez si les deux ouais. vaches sont attachées, toutes les deux ensemble par les cornes, puis la madame les suit. Ah! Par les cornes. Regardez si monsieur avait reposé ça. Il y avait quatre drapeaux, il y avait un jaune sur la tête de ses bulles, il était prêt à labourer, puis il s'est caché quand on est arrivé. Quand il nous a vus, il s'est caché. Ah! Il voulait pas se faire voir. Sur ses bulles comme ça, je ne sais pas. C'est bizarre, c'est hein? Peut-être une superstition, on ne sait jamais. Ouais, puis des fois, les gens là-bas, regardez qu'il y avait de la roche aussi, beaucoup de roche. Regardez, c'est beau de ouais. voir les montagnes. Il y en avait toute une misère comme ça, là, que c'était de la mer. C'est ici un cochon attaché. Bon. Pour prendre la sieste. Voyez-vous, il dort au soleil. C'est de la bouse de vache, qu'eux autres, ils gardent ça pour de la combustion, pour faire le chauffage. Ouais, ça remplace nos cordes de bois, ça. Oui. Ben oui, c'est faut qu'ils utilisent qu'est-ce qu'ils ont là, oui. parce que là, hein. Bon, pauvre petit cochon. Il faut bien qu'ils prennent. Faut qu'ils prennent ce qu'ils ont. C'est ici on voit des dames qui viennent faire le lavage. Voyez-vous, il y a une rivière là, puis les madames arrivent, puis viennent faire leur lavage. Puis ils passent la journée là parce qu'ils partent quand leur linge est sec. Ah, l'air d'avoir un gros lavage. Oui. Non, mais je pense que c'est son bébé qui a reçu. Ah, ok. Ça doit prendre du temps à sécher parce que les couvertes là-bas sont. C'est épais, hein? Fournies, puis, mais l'eau est claire, là, par exemple. Là, oui. Oui. Il y a des coins où c'est un petit peu moins, ouais. moins propre, ouais. là. Oui. Mais l'eau, toutes les rats, là, c'est la grève, là, pour sécher. C'est presque. Dans ce temps-là, il doit faire la causette. C'est ça, c'est presque une journée de socialisme. Ouais, ouais. Ils vont jaser, puis tout ça. Si le monsieur est prêt à labourer, là, vu que c'est le printemps, ils font le labourage sur les semences. Et puis, il n'y a pas l'air d'être fait avec du bois. C'est très artisanal, hein? Et puis... Les gens ont l'air à travailler en équipe aussi, à changer. Mm-hmm. J'imagine que la culture par là, ça ne doit pas pousser fort. Je ne sais pas, mais ça me semble que ça n'a pas... Il n'y a pas de pluie à ce moment-là. Ouais. Parce qu'il y avait eu de la pluie avant qu'on arrive, puis Hervé, je ne comprends pas ça, il dit les gens descendent des montagnes pour venir chercher de l'eau. Ah! Pourtant, il y a eu de la pluie. Ça n'avait rien donné. La terre rouge et puis... Oui. Ils ont l'air d'avoir une condition difficile. Les animaux ont l'air de brouter, vous allez voir, on va tantôt, là, les animaux, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mangent. Une petite maison. Un cochon. Oh, petit cochon. Attaché encore. Pas très gros. Non, il va y en avoir un autre encore attaché. Je trouvais ça drôle. Un petit noir. Mais ah, il ben. Pas de clôture, donc. Mais c'est regardez, ça. Ils ont l'air de manger, là. Oui, ils ont l'air de manger quelque chose. Bon, là, on arrive près d'une partie d'un côté du lac Titicaca. On va voir, on est arrêté de dîner, là. Mm. Là, c'est la grève, là. Ah, mais on c'est va voir, beau! On va voir des moutons. Regardez les moutons avoir la laine, on voit qu'ils manquent de vitamines sûrement. Trop cotonné. Regardez ici des vaches qui mangent. Moi, c'est du varech, ça, que, ouais. que le lac a laissé au bord, puis ils viennent se nourrir avec ça. Parce qu'il y avait des moutons, là, on a mangé, là, puis nos épures de bananes, on les a jetées, puis on a mis les manger. Ah! Tout de suite, on voit qu'ils manquent de nourriture. Ouais. Ouais. Quand on est rendu à manger les épures, là. Ouais. On voit une partie du lac. Là, on est rendu. Oui. On est rendu au lac. C'est bon, ça l'est, ça. Si, oui. OK. Bon, les petites filles. C'est très beau, ce lac-là. Oui, ah, hein? 3 000 le lac. 3 000 mètres. Ah, 3 000 mètres. C'est le plus haut lac au monde, disons, dans les montagnes. Ah, vraiment, eux oui. autres, là, sont. Ils ont des records de hauteur. Oui. Ah, c'est quelque chose de spécial voit à voir. On ici en bas, là, où tu, les gens, là, il y a des maisons construites. Bon, ceux-là ne manqueront pas d'eau. Pour se rendre au lac Titicaca, là, c'est un voyage de 3 heures. On avait loué une machine, un 4x4, puis on s'est rendu là ensemble. C'est un voyage de 3 heures. Oh, ça a dû être assez dur. Oui. Les chemins étaient beaux, par exemple. On avait, comme je t'ai dit, du long du voyage, on voyait toutes sortes de choses.
On arrêtait souvent pour prendre des photos. Bon, ici, là, c'est les gens pour traverser, c'est le Pérou de l'autre côté, là. Oui. Donc, pour traverser, c'est cette sorte de. C'est pas un gros bateau, hein. Mais ici, c'est de cette façon-là. Vous allez voir de quelle façon il arrive avec le bateau puis il vide l'eau. Il n'y a pas. Ben oui, hein. Ils ont les moyens de bord ne sont pas comme nous autres ici. Ah, si on avait voulu traverser de l'autre côté, là, on aurait été au Pérou. Oui, hein, c'est oui. Spécial. Regarde le petit bonhomme ici. Vite, écopé. As-tu vu le pont là, pour recueillir? On va voir arriver le tout. Regarde, que, ben, c'est il recule, puis c'est pas. Eh mon Dieu. La chaudière n'est pas grosse. Non. Là, on va vous montrer. Là, on revenait. Là, je vais vous montrer. Regarde, ici, c'est une pisciculture. Ça, c'est des Japonais qui sont venus s'installer et puis ils font l'élevage des poissons. Puis c'est encore dans le même lac. Oui, oui, tout de suite, là. Oui. Regardez les terres, comment c'est fait des montagnes, c'est tout. Étagé. Oui, tout étagé, oui. Pour que la culture, là, quand ils font des semences, que ça produise sans être drainé par l'eau. Oh mon Dieu, vous deviez manquer d'oxygène. Il me semble que ça monte. Cette journée-là, moi, je ne me donnais pas à filer bien. Là. Ça arrive des journées qu'on a l'altitude et puis on avait envie d'avoir mal au cœur. Mais... Puis il y a des médicaments, hein? Oui, il y a des médicaments pour ça, mais même si on en prenait des fois... Là, y avait ça donne mal au cœur? Ben non, là, moi, ça me donnait. Ah, OK, ça, ben, le voyage. Bon. Et que c'est beau. C'est super beau. Alors, c'était très, très intéressant. Et puis, je voulais justement, avant là, de terminer, les pièces qu'on a vues dans le magasin, on peut les retrouver ici. Ah, ben oui, c'est vrai. Là, oui. Les belles pièces en étain. On a un joueur de flûte de pan. Oui. Et puis, ici, on a celle-là. Ici, on a une cravate aussi avec le lama qui est populaire. Ça, c'est mon foulard pour l'hiver. Ça, c'est bien arroser nos plantes, alors, oui. Il n'y a pas une plante qui est morte. Non. Que... là, c'est ça va que mon foulard pour l'hiver, c'est très, très, très doux. Puis on a un super beau chandail. Oui, il y a des belles couleurs, oui. Ça, c'est en laine d'alpaca. Bon, ça, ça doit être... Oui. Ça a la même douceur. Oui. Hein? Ça se ressemble. Alors, on vous remercie beaucoup, beaucoup de nous avoir donné ces détails. Il y a encore bien des choses à dire. On va reparler peut-être aussi dans une émission plus tard des fonctions qu'ont Hélène et Hervé. Oui, parce que j'ai encore des diapos là, que je peux montrer. Le travail qu'ils font là-bas, la construction d'une serre. Comment Hélène a expliqué à des gens là, comment faire dans le jardin. La culture. Parce que là-bas, les gens sont portés à manger ils cultivent des bêtes à cadre, qu'on appelle. Mm-hmm. Mais seulement du céleri, puis des bêtes, puis ces choses-là, les autres cultivent pas ça. Mais là, ils l'apprennent parce qu'ils pourraient en avoir 10 mois par année, s'ils veulent. Et ensuite, on a aussi Hervé avec... il s'occupe des handicapés, puis quand il y avait une réunion, puis il y avait... Puis ensuite, on a chez une dame qui est allée visiter... Une dame qui a 6 enfants, puis elle en a 4 qui sont sourds et muets, puis a été filmée chez elle. J'ai ça aussi. Alors, j'ai de quoi faire. Ça va être très, très, très intéressant. On a vraiment hâte. Alors, les gens vont attendre impatiemment la prochaine émission. Ça me fait plaisir de revenir en parler. Oui. Ben alors, il me reste à vous remercier beaucoup, beaucoup d'être venus nous renseigner et puis nous raconter votre voyage. Et puis, on va se dire à la prochaine. D'accord, c'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Ok, après ça, ok? Ok, salut, Lynn. Dis-lui salut, Nathalie. Salut. Ciao, ciao. Et soubise. Salut, Nathalie. Salut. Disons qu'il y a une différence à Philippe, hein? Henri-Louis? Oui. Hola? Hein? Je vais te voir ça. Ok.
sabe. Si unos quieren leer unas partes, porque las otras veces queremos ir a pasar y pedir unas personas que pueden practicar antes de leer. Les jeunes peuvent colorier ça, puis ça fait partie de l'activité qu'on fait. Ça, c'est pas les originaux, on les fait photocopier pour ramener les dessins avec des crayons de tir, puis colorer ça pendant la réunion. Quiero grabar eso para mandar en Canadá. Esa está la primera. Ay, ay, era la confesión. Todos están en confesión, creo. Vale, no he venido. Después. ¿Para qué? Para de primera comunión nos están haciendo confesar. Y hoy hay confesión, me he escapado. Ok, ¿dónde? ¿Aquí? A la primera fila me he puesto. Ok, y entonces todos están allá. Sí. Quizás van a llegar más tarde. Sí, creo. Ok, vamos a mirar sus cosas. Ya. ¿Hacer? Ok. ¿Puede leer eso? Ok. Aquí. Las dos letras, deletrea y después leer. Ya. Este es N. Sí. O. O. No, 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 oh, muy bien. ¿Y cómo se dice? Lo. Lo. Después las dos otras letras. Este es el. L. 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 Deux ampoules, puis là, il y en avait, normalement, ils mettent un qu'un, puis quand moi j'arrive au cours, ils mettent le deuxième. Puis là, je l'ai vissé, puis ça a tout pété, puis il n'y a pas d'électricité dans l'autre local, ça fait qu'on vient ici, dans la salle à manger. Sube hasta arriba, mira, hasta arriba, ¿no? Y después el redondo, y después baja así. Prueba eso aquí. Baja, y sube un poquito por allá, hasta arriba, más, más. Ok, y ahora el redondo. Y recto. Normalmente la moyenne est autour 6, donc on a... Sur 6 femmes, il y a à peu près 3 qui viennent régulièrement. Les autres, c'est pas régulière. Donc aujourd'hui, parce que la première communion, beaucoup de femmes sont parties là-bas. La participation est minime. Mais ceux qui sont là, ben, sont en train d'apprendre. C'est ça qui compte. C'est pas le nombre de personnes, c'est la qualité de relation qu'on a avec les gens qui compte en premier. Así el R et sube como el R mostrado sí. Y el O así. Y minúscula lo hace así. R O RO. Ay. ¿Está bien? ¿Cómo está escrito aquí? Mira, aquí está escrito el RO. Sí, RO. Okay. Hemos visto RA.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, dile, a ver. Oscar. Hola. ¿Cómo está? Bien, diles. Bien. Más fuerte, bien. Bien, dile, a ver. ¿Puedes decir más fuerte? A ver, dile. Bien, dile, a ver. Qué bien. ¿Está bien si puedo filmar? Así, porque la gente va a saber dónde viven. ¿Vos qué sabes tú de eso? Le gusta a la Susana las novelas, le gusta harto. Vamos a ver. Aquí está mi guagua, dile a ver. Está guapo. Mi madrina me ha regalado, dile. Mm. Lindo está. Sí. Thank you.
Notre premier brocoli de la serre. Ouais. Il est pas gigantesque, mais il est beau, hein? Ouais. On avait arraché il y a quelques semaines, mais là, on a attendu qu'il grossisse un peu pour montrer ça aux gens. Lorsque la plante est suffisamment grosse, il coûte plus. Ça fait qu'avançons une Marie, reculons. On va venir ici. Voilà, notre carotte s'est rendue. C'est à peu près la plus grosse, il doit y en avoir d'autres. Mais on va les avoir bientôt d'autres. Et on continue. C'est pas mal dur à voir. Wow. On se fait mouiller parce qu'il y a de l'humidité sur le plastique. Mais je le nettoie avant de venir. Et voilà notre betterave. Et c'est ça notre récolte. Ici, c'est la tomate que vous avez vue tantôt. Elle a une tomate qui s'appelle Resisto. C'est notre, ma belle-sœur du Canada, du coin de la Beauce, qui a des récoltes biologiques de tomates qui viennent bien hautes. Ça fait que là, vous allez la voir à une autre occasion beaucoup plus haute. Ça fait que là, elle va commencer à fleurir bientôt. Puis ça ici, nos salades, on a pris, sont hauts sur pattes, mais on en mange depuis, à chaque semaine, j'en enlève des feuilles. Elles sont vraiment belles. Ils donnent, ici, dans ces, ce qui donne le mieux, c'est les salades. Puis vous avez vu à l'entrée, là, des betacardes. C'est ça qui donne le plus vite et le mieux ici. Ça, on peut en avoir à l'année, puis produire beaucoup. Fait que c'est ça, merci beaucoup. Con eso, no. Entonces, ayuda eso. Nosotros ponemos flores que, como no ponemos rosas, porque eso siempre hay problemas de bichos. Es por eso no. Entonces, el apio debe tener lo más posible sus raíces. Y sobre todo el apio, hay que ponerlo en un hueco. ¿Se llama hueco? ¿Un pozo? No sé. Porque siempre hay que poner tierra alrededor del apio para que se vuelva blanco. Y la parte que cambia, que viene blanco, mucho más rico es. Entonces lo pongo así. Y con el tiempo va a crecer. Yo voy a poner tierra alrededor, siempre. Y debemos hacer un poco eso para que las raíces tengan un buen contacto con la tierra. No demasiados, pero un poco. Así es. Para el árbitro. ¿Y el otro qué es? ¿Eso? No, el otro. Salvia. Salvia. Ah, eso es salvia. Es ¿para salvia. Qué, señora? Eso es para cocinar también, hay unos así que se sirven. Y nosotros es para poner al lado de unas plantas y eso ayuda a empujar insectos que tienen un olor fuerte, ¿no? Es medicina natural también. Sí, sí. Baja la fiebre. Eso también es medicinal, ¿no? Ah, para fiebre es esto, ¿no ves? En el campo. Ahora le vamos a mostrar cómo sembramos en un almacigo. Si mes impressions sur notre visite en Bolivie et Cochabamba. D'abord, le voyage en avion a été numéro un. Pas de maux d'oreille ni de mal d'altitude. On n'avait rien pris, on voulait avoir des faits avant de prendre des médicaments. L'accueil a été chaleureux partout et on a été bien reçus par les Pères Oblats qui nous ont logés 4 jours pour mieux s'adapter à l'altitude. Avec le petit malentendu qu'il y a eu à La Paz, Hélène n'a pas pris l'avion tel que prévu, mais elle est venue nous rejoindre en autobus à Cochabamba dans la journée. On était heureux de se revoir après 1 an et plus. On a passé 4 belles journées à parler et visiter les lieux, un tour de ville ainsi que les parcs et visiter les sœurs missionnaires de Maculée-Conception où Lucienne Frenette, notre compagne et guide, on lui a fait une visite le samedi et le dimanche on repartait pour La Paz
où Hervé, Anne-Marie et Nathalie nous attendaient avec chaleur. La salle à manger était décorée de ballons et papiers roses. On était tous heureux de se revoir après plus d'un an. On s'est reposé le lundi dû à l'altitude qui nous causa des petits problèmes de respiration, mais avec le repos au lit, ça a aidé et les remèdes que Hélène nous avait achetés. Ensuite, on a visité la ville par un tour de ville en auto. On s'est rendu à la vallée de la Lune. C'est magnifique. Ça nous rappelle la Bible, la création, tant de montagnes et de cratères. Un autre jour, on a fait le marché, les boutiques, comme il y a de belles choses artisanales. Philippe et Hervé ont été au marché noir un autre jour. On a acheté quelques souvenirs pour tous et chacun. Toujours du très beau temps ensoleillé. Moi, j'ai été avec Hélène au cours d'alphabétisation que Hervé donna un après-midi. J'étais heureuse de me faire poser avec ces dames boliviennes. J'ai touché et vu de mes yeux la misère de ces gens accueillantes et heureuses de m'accueillir. Pour moi, après 22 ans de travail pour les missionnaires, j'avais le bonheur de leur donner la main et de faire la collade. Je ne pouvais parler leur langue, mais notre regard en disait long. Un soir après souper, arrive sans s'annoncer Alicia, mère de 6 enfants, dont 3 sont sourds et muets. Une Bolivienne de 38 ans avec son bébé sur le dos et un de ses enfants de 6 ans, je crois, sourds et muets, encore là. Encore là, j'ai vécu une joie intense quand au moment du départ, après une heure d'échange avec Hélène et Hervé, qui aident cette dame et sa famille, son bébé était éveillé et elle l'a sorti de son maillot et elle me l'a mis dans les bras. C'était pour elle comme une marque de reconnaissance de me prêter son enfant pour ce que font Hélène et Hervé pour elle et sa famille. Et pour moi, c'était comme un sommet dans ma vie de laïque missionnaire. Tout cela est venu gratuitement à nous. Ces moments-là demeureront inoubliables pour nous deux, ainsi que ce voyage en pays de mission en Bolivie. C'est grâce à Dieu si tout s'est réalisé au cours de 5 mois. On l'a désiré tous les deux, on a laissé porter en s'abandonnant et ça s'est réalisé. Nous félicitons la famille Lambert-Perrault pour le beau travail qu'ils font en vivant avec les pauvres. Anne-Marie et Nathalie font des activités pour s'occuper des enfants des pauvres et handicapés lors des réunions et le cédez-vous avec leurs parents. Voilà ce que je voulais ajouter sur une des deux cassettes qu'Hervé a bien voulu enregistrer pour nous en souvenir de notre voyage en Bolivie. Un grand merci à mes parents qui sont venus nous visiter en Bolivie. C'est le plus beau cadeau que vous pouviez nous faire. Un grand merci, Georgette et Philippe. Nous sommes fiers de vous et dans ce monde, je ne voudrais pas choisir autre beau parent que vous autres.